Au début, on dit c'est l'initiative contre la dissimulation du visage. Ils ont dit, voilà, c'est pas seulement contre les femmes qui portent le niqab, mais c'est aussi pour les hooligans et aussi enfin, les gens qui se dissimulent. Mais c'est clair, quand on voit les affiches, on voit seulement les femmes qui portent le niqab. C'est très irritant de voir toujours ces images des femmes avec le niqab. Déjà, la burqa, ce n'est pas le vrai nom, en fait. Parce que la burqa, on ne l'a pas en Suisse. La burqa, c'est un habit spécialement afghan. Et ce n'est pas tout l'Afghanistan qui porte la burqa. C'est déjà une région de l'Afghanistan qui porte la burqa. Il est de couleur bleue. On voit vraiment rien. Et ça fait partie de la culture afghane. Le niqab, c'est vraiment, c'est un mot arabe où la femme, elle cache son visage et on arrive à voir ses yeux. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais selon les statistiques de l'université de Lucerne, ils ont trouvé qu'il y en a dans toute la Suisse 30 femmes qui portent le niqab. 30 femmes, et en majorité, elles sont des Suissesses converties. Alors là, je ne sais pas si on va les... ces Suissesses-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont faire après. Est-ce qu'elles vont quitter la Suisse? Est-ce qu'elles vont rester en Suisse? Ça, je ne sais pas. Ces femmes-là qui portent ce vêtement, est-ce qu'elles sont radicalisées? Je ne pense pas, mais ce n'est pas avec l'interdiction d'un habit qu'on pourrait lutter contre la radicalisation ou de l'islamisme extrême. C'est pas avec ça. C'est pas un outil de prévention, en fait. Il y a d'autres outils que la Confédération elle a mis en place pour prévenir la radicalisation ou aussi l'islamisme ou aussi d'autres formes d'extrémisme. Je pense que les gens de la droite, ils font la même chose. Ils vont maintenant imposer en Suisse, ça veut dire l'interdiction de porter un vêtement. Moi, je fais le parallèle comme d'autres pays qu'on donne souvent comme exemple, l'Arabie Saoudite ou l'Iran, où on impose à la femme de le porter. Donc, cela, on impose, ceux, ils imposent, ça veut dire la femme ne veut pas et elle le porte malgré elle. Et ici, la femme, elle veut le porter et on lui interdit de le porter. Donc, pour moi, c'est la même chose, hein. C'est vraiment antidémocratique et on ne laisse pas à la femme le choix de porter ou de ne pas porter. Voilà. Si on veut dire, voilà, on veut voilà, aider ces femmes-là, libérer ces femmes-là, mais je pense que non. Moi, je suis pour le libre choix, pour l'autodétermination, pour la liberté de choisir de se vêtir comme on veut.